Et bonsoir à vous, bienvenue pour le nouvel épisode du Let's Play de Super Mario Galaxy 2 en ma compagnie. Et on est parti du coup dans le monde 5. Première partie. Wouah, le satellite survolté. Alors, comment ça va se passer? Il faut guider Bomb. Alors, comment qu'on va procéder? Non, mais je vais pas faire... Voilà. Secouer pour annuler la gravité. Qu'est-ce que j'aime la musique. Vous voulez voir un truc génial? Let's go! Ce qu'on tourne, désolé. Hein. Allez, c'est parti encore. Merde, non. Reste pas dessus. Oh, j'ai réussi à mourir, incroyable. On peut mourir dans ce jeu, c'est vrai. J'avais complètement zappé. Tellement de talent aussi. Non mais, ah, mais c'est chiant en fait, à chaque fois j'ai mon curseur du coup dessus et à chaque fois... Bon allez, cette fois-ci, on y va sérieux. Oh, c'est stylé, du coup tu peux faire la toupie comme ça vachement vite. Ciao. Oh, faudrait que j'essaie, en gros tu peux tourner à l'infini, c'est trop marrant. Est-ce qu'on peut pas rester bloqué à l'infini du coup? Oh, attendez. Non, on peut pas ici. Parce que s'il y avait un endroit où on pouvait ne pas... vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y avait pas de truc. Voilà, on peut faire un truc comme ça du coup. On peut rester bloqué à l'infini, du coup c'est trop con. Faut surtout pas appuyer sur ce bouton. Merde, j'ai raté, du coup il fait chier. Bon, on est bon, c'est bon, on est passé. Ah non! C'est bon, c'est trop facile. Let's go, on a fait du premier coup. Alors récupérons des points de vie si vous voulez bien. Et là aussi je pense qu'il y aura une pièce, non? Non, pas du tout. Ah, il faut le guider, d'accord, c'est ça en fait, il va nous suivre comme ça, ah, c'est génial. Oh, j'ai fait rater. Allez, full life. C'est ça que je dois faire là, je peux pas juste faire un saut comme ça. Je suis un génie. Oh là là, quel talent. L'observation. Oh, c'est trop stylé dans la texture. Oh là là. Putain, j'adore tellement les jeux de Mario Galaxy. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Merci. Oh, quoi, c'est quoi ça? Ah, c'est les machins, d'accord. Donc les petits, là, ils sont pas méchants. Donc si jamais ils nous touchent, en fait, ils vont nous expulser. Et s'ils nous expulsent, bah, potentiellement, ils peuvent nous faire comme... Oh la vache, le fond. Oh, c'est tellement stylé. Cette tempête, là. Oh la vache. Ça envoie du pâté. Alors, où est-ce qu'il va, ce truc? Mais c'est trop pastache. Quand tu vois tous les canons, tu sais qu'il faut pas rester sur place, donc tu fuis en fait. Mais ok, ok, c'est cool. Ah là là, quel talent. Wow.
Oh, le fond est super sympa. Hein. On dirait une peinture, le machin. Ah, c'est grave cool. Putain, le jeu de couleurs est chouette. Oulô, c'est compliqué, cette histoire. Hein. D'accord. Oh, un nouveau monde de feu et de glace, trop cool. D'accord, donc on a encore 4 mondes et un luma, un goinfre luma, d'accord. Oui. Allez, on est parti, on va essayer d'aller voir le goinfre luma tout de suite. 1500, non, j'en ai 1000 en banque, je crois. Je crois que j'en ai 1000 en banque, il me semble que j'en ai 1000 en banque. On va les checker, mais je crois que j'en ai que 1000. Ah. Non, mais je vais juste vous parler, là. Alors, tu m'en as ajouté 6, d'accord, donc 1016, ouais, c'est ça, j'en ai pas encore assez, malheureusement. Donc je vais tout déposer, mais en fait, je pense que ça sert à rien de les déposer, hein. À chaque fois on gagne quasiment que dalle, genre je pensais qu'on gagnerait de plus en plus, je sais pas, il ferait un petit peu de bourse avec notre argent quoi, je sais pas, il irait peut-être jouer un peu pour essayer de nous faire des profits quoi, histoire qu'on ait des intérêts quoi, normal. Bah non, pas vraiment. Du coup on peut pas encore faire celui-là, et alors là on a... What? Ah, je peux déjà aller affronter le boss. Ok, bah lui remarque justement l'étoile, c'est vrai. Le fort foudroyant de Bowser Jr. Ah, et on affronte de nouveau son fameux monsieur avec un marteau, là. Ok, cool. Cool, cool, cool. Alors, les sables glissants, référence au premier opus, bien sûr. Le petit bout de lune, c'est trop bien. Et enfin, le château dessus-dessous. D'accord. Oh, moi, ce niveau de feu de glace, moi, il me donne grave envie. Ah, oh, let's go, quoi. C'est... Les niveaux, c'est trop, trop classe, quoi. Genre, c'est... Visuellement, c'est... Une classe. Le prince Poulba brise la glace. Ok. Ça ne me dit trop rien comme ça. Ça ne me dit trop rien. Il est trop moche. D'accord. Écoutez, si vous voulez. Tous mes ennemis mourront. Oh, encore Luigi. Salut, tu t'amuses bien? Non, je me fais chier. J'aurais bien aimé avoir un métier moi aussi. Eh oui. C'est ça d'être le second de la famille, mon petit. Eh oui. Tu ne sers à pas grand chose, mais bon. Si jamais un jour je meurs, hein, tu pourras prendre la succession, enfin si je meurs bien sûr. Malheureusement pour le petit Luigi. Non, il n'est pas prêt de mourir. Aïe, je veux la pièce, c'est super important. Ah, du coup c'est avec des nuages qu'on aura le... Merde. Oh merde, du coup j'ai perdu mon pouvoir. Oh la vache. En fait c'est super dangereux de récupérer des vies dans ce niveau. T'as plus de chances d'en perdre que de réussir à en récupérer. On attend bien le moment. Oh, j'étais même pas obligé, je pense. Mince, dans le bouton. Oh, c'est trop bien. Non. Mais non, mais... Putain, c'est dégueulasse. Ah, c'est trop bien, on a tout transformé. Ah, du coup, on peut les récupérer comme ça, mais ouais... Non, je voulais sauter, je me suis trompé le bouton. Ah, c'est dur. J'avoue que j'étais pas bien placé pour faire mon truc. Oh putain, merde. Mais non, mais j'avais sauté, monsieur l'arbitre. Ah, il y a un truc secret ici. Quelque chose me dit qu'il y aura un goinfre luma là-dedans. Ah non, mais un mec avec un mini-jeu, d'accord.
Yo man, c'est moi, tu te souviens, j'ai inventé un nouveau jeu de patinage trop délire, parole. Fonce dans autant de patavers et patator que tu peux, mais fais attention aux patapiques mon pote. Et si tu réussis à faire 600 points ou plus, je te donne cette super étoile et une grosse banane, parole de man. Cool, let's go. Non, j'ai raté du coup. Yes. Oh vache, je fais prendre le violet. Le patapique. C'est bon. Non, j'étais dessus, j'étais dessus. Oh les enculés, ils ont mis pile poil le truc quoi. En plus j'ai eu du bol, j'étais au niveau du violet, hein. Enfin au niveau du doré, genre il est apparu à l'endroit où j'étais, du coup j'ai pu le récupérer vite fait mais... Oh putain mais c'est impossible de faire plus je pense. Ou alors tu fais genre peut-être 20 ou 30 de plus mais vraiment perfection au niveau des secondes quoi. T'es un adversaire digne de ce nom pour le grand Billy Banane. Une telle maîtrise ça mérite bien une super étoile wesh. Et ma banane alors? Bon, déjà, la super étoile, c'est bien, hein. Mais moi, je veux la banane aussi. Yo, 600 points, la prochaine fois, essaie d'établir un nouveau record, man. Impossible, c'est trop dur. Salaud. Stylé. En vrai, ils sont marrants, mais bon, c'est un petit peu bise, quoi. On avait déjà vu ce truc-là, donc bon, ça change pas forcément par rapport à l'autre fois, bon. Après, c'est marrant à faire, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu redondance. Après bon, il y a quand même... si c'est comme le premier opus, il y a 120 étoiles, il y a forcément un peu de redondance à un moment donné, quelque part. Alors, 64, toujours pas assez pour affronter du coup monsieur ici, là. Alors, cette fois-ci, on va faire la mission principale, mais pas la mission secondaire. Ta-da-da-da-da. Il est trop moche, regardez-moi ce truc. Tiens Luigi, bon, allez, je vais te faire bosser un petit peu, tiens. Hey frangin, pas évident de trouver des super étoiles, hein? Ouais, ça va. Tu veux que je te remplace un peu? Comme ça tu pourras faire dodo. Alors, tu veux que je te remplace? Fais une petite pause. Yeah. Allez Luigi, fais ton boulot. Va me la chercher. Oui, chef. Mais vraiment quand il court, j'ai voulu... Ah, ça glisse. Oula. J'avais presque oublié qu'il fallait que je saute. Hop. J'avoue qu'il saute vachement plus haut quand même. Wow! Oh, oh la distance du saut que j'ai faite! Oh, c'est derrière, du coup! Carnac! Je suis même le sol et le machin il me fait de loin. Oh là, quel talent le machin! Parentem, parentem! Oh là, cette aisance! Ouh, stylé, on peut faire un triple saut sur la glace. Attention, on pique. Alors ça, c'est le bon niveau où tu fais... Non, 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 je vais pas faire ça. Oh, le bruit était trop bien. Attends, on refait, on refait. Le bruit il est trop bien en vrai.
Le bruit est trop trop bien. Oh mon dieu, il est incroyable ce bruit. C'est génial. Oh mais c'est trop bien du coup d'utiliser le budget, j'avoue. Non, la pièce. Non, je suis mort. Et merde, c'est ça qui fait le malin, tombe dans le ravin. Ou plutôt, comme j'aime bien dire, qui fait le babouin, tombe dans le ravin. Oh là là, cette esquive. Non, la pièce. Oh oh. Ah merde. Oh désolé, bon allez, je vais essayer de jouer ça un petit peu sérieux quand même. Ce bruit me fait trop rigoler en vrai, c'est incroyable. Non mais... Ah oh, mais putain, ça bouge trop vite ces trucs. Non, 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 non. Reviens, salaud. Ah, je l'ai raté, putain. Je l'ai encore raté, putain, fais chier. En fait, c'est pas si simple, hein. Quand tu essayes durement de réussir, c'est pas si simple. J'avoue. Non, je déconne, c'est fastoche. Et merde. Hop, ça passe. Full life. Hop, full life. Une vie. Hop, il s'est rien passé. On va aller chercher ici, là, du coup. Hop. On rebondit. Hop, voilà. Incroyable. On rebondit deuxième fois. Hop, et c'est bon. Et on secoue. Et on est parti. Let's go. Facile, et un point sauvegarde, t'imagines? Bah oui, bien sûr. Ah oh, bah c'est sympa ça, les trucs qui disparaissent quand j'arrive. Ah les sous qu'il fait, ils sont trop trop bien. Oh le pauvre, on sentait qu'il était trop dégoûté. Ah là là, je me joue du pauvre Luigi. Alors qu'il est censé faire du boulot en plus, et je me sers de lui comme d'une raison pour rigoler pour ses mains sur ses bras. Oh, cool! Allez! Hop! Oh! Qu'est-ce que ça va être cette histoire? Oh non! Ah, cette phase de jeu est intéressante, je pense. Ouh. Ah, fastoche. Ah, il tire deux fois. Oh, il m'a balancé deux boules, l'enfoiré. Aïe. Regardez-moi ça, et encore et encore. Et voilà. Non, mais j'avais gagné. Putain. J'avais gagné, en plus, je suis dégoûté. Enfin, on s'en fout, en vrai, il faut qu'on attrape ça. On gagne 5 points de vie, c'est un scandale. Mais arrête d'aller à gauche en forêt, je sais que t'aimes vraiment, mais il faut arrêter. C'est le bordel, je sais pas où je dois aller. Oh! Oh là là, mais quelle maîtrise! Ah, on peut récupérer. Oh! Oh, les enculés. Oh bordel la vache, j'ai failli crever. Le petit point de sauvegarde, on va dire bonjour à petit Todd en main. Qui a notre couleur d'ailleurs, c'est bien ça. Ah, en fait tout le monde est vert, je suis vert, le vaisseau est vert, le petit Todd il est vert et le boss il est vert. Et mes points de vie sont verts. Prends garde, le prince Pulba.
Ou pardon, j'ai encore le hoquet. Le prince Poulpa t'attend là-bas. Nous sommes en plein territoire ennemi. Pourquoi je tremble? J'ai un peu froid. Pas toi? Est-ce que je peux lui sauter dessus à celui-là d'ailleurs? Attendez. Hop. Je sais pas si j'ai jamais réussi à faire ça d'ailleurs. Oh non, je voulais le faire trois fois. Attends. Non mais casse-toi. Merci. À la prochaine. Ah, ça va être chaud vu l'angle. Bon, on s'en fout. Allez, on a déjà fait deux fois, c'est déjà très bien. Bonjour. Vous êtes moche. Je souhaiterais vous tuer parce que vous êtes moche. C'est quoi ce truc? Il est trop moche. Mince. Je pense qu'il faut essayer de rester en ligne droite par rapport à lui, comme ça, voilà. En vrai, tu vas plus facilement réceptionner ses boules. Oui. Oh, c'est pas arrivé aussi. Mince, j'ai raté. Allez, on renvoie une boule. Oh, c'est trop chelou. C'est trop stylé. Non. Tain, on voit directement au sol, c'est chiant. Aïe. Ah, à chaque fois je suis au mauvais timing, fais chier. Non, j'ai secoué, monsieur l'arbitre. Attends, on va prendre une année entière pour faire ce niveau, ça va être infâme, je vous dis. Allez, la verte, allez, la verte, allez, ici. Yes. Il est tout rouge, il est tout méchant. Non. Yes. C'était pas évident, hein. De loin, je pense que c'était un des plus durs de loin que j'ai affronté jusque-là, de boss, hein. Enfin, je pense. C'était pas évident au niveau des timings. Allez, moi, cet ange gracieux qui fait du patin à glace sur des chaussures normales. Des chaussures en cuir de peau de fesses de kangourou. Made in Luigi. Ouh. Yeah. Eh oui. Un fantôme apparu dans la galaxie magma glacée. Un fantôme vert. Est-ce que ce serait pas parce que j'ai réussi à faire la mission avec Luigi? Parce que là, c'est couleur vert que ça fait chier. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une lettre est adressée au jeune Luma d'argent. Mon cher petit Luma, des êtres attentionnés veillent sur toi. Puisse l'objet joint à cette quête être salutaire. 50 petits cristaux. Très bien. Hein. Salut frangin, figure-toi que moi aussi je me suis lancé en exploration galactique. Alors si tu me croises au cours de tes aventures, viens me parler pour que je prenne ta place, d'accord? Allez, à plus tard, frangin. Alors, ok. Et qu'est-ce que c'est que cette... Ah tiens, point d'exclamation. Bonjour monsieur. T'en as pas mal bavé ces derniers temps, hein. Fais donc une petite pause, va. Privilège du capitaine. Donc là j'ai fait un épisode, et là c'est le deuxième que je fais d'affilée. Ça fait une heure de jeu, grosso modo. Et là le mec il me dit, hé, t'as joué un petit peu trop, faudrait que tu t'arrêtes, toi. Connard, enfin genre... Il y a des gens qui jouent pas beaucoup, ok, mais genre, une heure c'est rien, quoi, genre... Pour moi, beaucoup c'est à partir de 3 heures, quoi. 3 heures d'affilée, ça commence à faire beaucoup. Ou 2 heures, on va dire, mais... Genre une heure, quoi, genre... Hé, tu devrais t'arrêter de jouer. Non, je n'arrêterai pas. Mais elle est où cette fameuse étoile fantôme là? On m'a parlé d'un fantôme.
c'était où? C'était là? Ou c'était avant peut-être? On va juste faire ça pour voir s'il n'y a pas un truc, ouais. Il n'y a pas un truc affiché là, un fantôme, je sais pas quoi. Il n'y a pas de fantôme. Hein. Peut-être que c'est un fantôme en mode c'est Luigi en fait qui apparaît en tant que fantôme et je peux voir ce qu'il faisait. Par rapport en fait au fait de chercher à faire une course pour aller le plus vite possible dans le niveau peut-être. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Oh mais disons 314, c'est bon, on a ce qu'il faut là. Invitons-le à bord. Un gouffre Luma. Sois patient, par contre il faut que j'aille voir mon banquier. Bonjour monsieur le banquier, est-ce que je pourrais faire un retrait s'il vous plaît? Ah non désolé, c'est possible hein. J'ai investi tout votre argent sur des magazines très importants, des magazines d'actualité de filles. D'accord. Merci de faire confiance à ton banquier. Hop, j'ai tout pris. Hé hey, mon copain, tu as des fragments d'étoiles pour moi? J'ai faim. J'en veux plusieurs, je veux des fragments d'étoiles. Si j'en avais 1500, je me transforme. Putain, 1500, hein. Attends. Allez, je te donne 500 tout de suite, et si ça se passe bien pour les... Non, plus fort. D'accord, je donne tout. J'ai pas le choix de toute façon. C'est bon? Allez, laisse-moi un peu... J'adore la tête qu'il fait. Ah voilà de la géométrie. Quelque chose de symétrique. Hop. Là on a de la symétrie là. Tac 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 tac. Hop tac 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 tac. Voilà. Ça ça me plaît. Ah plein extrême. Oula. Oula oula oula. Ah ouais, ça a l'air d'être chaud patate. On va avoir un oiseau et on va avoir des bombes à esquiver, c'est ça, un truc dans le genre. Alors, ça passe ou ça croise? Écoutez, on va voir. On va bien voir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... Oulalalalala. Qu'est-ce qu'il veut nous faire faire? Un araplane ici, genre... Pour planer, c'est très simple. Oui, donc là, il m'avait déjà dit ça, ça remonte à longtemps, mais... Ah, faut que je te parle à toi pour pouvoir commencer? Ok. Araplane dit que tu es un chic type. Chic type, chic type. Il aimerait bien planer avec toi. Yark, tu veux planer avec Araplane? Oui. D'accord, alors monte sur son dos. Il faut traverser le portail en forme de soleil pour gagner. Gagner, gagner. Mais c'est dur, dur, dur. Comme ma flûte. Oh, il y a une créature en haut à gauche, vous avez vu? Qui va m'attaquer peut-être? Oh! Alors, on attend, on est patient. C'est tout, je suis là, là. Non. Je pensais que j'avais l'autre sens. Ils ont inversé mes touches à moitié, c'est chaud. Enfin, ils ont pas inversé, mais... Merde, ah, putain. Oh, oh, j'ai encore me prendre un coup, je pense. Oh, je suis passé pile poil. Ta-ta-ta-ta. Ouh, ça passe, hein. Ça passe pile poil. C'est tout? Mais c'est trop fastoche, ce jeu. Bon, j'avoue, sur émulateur, c'est quand même un peu gratos. Tu as bien plané. Même Araplane a l'air ravi. Bah, surtout qu'il est pas mort, quoi. Bon, je vais donner quelques coups, mais bon. Ils ont tous des bonnes têtes.
Youhou! Truc pour trouver une... Ah tiens, c'est vrai, je l'ai pas trouvé. Passe à travers les 5 portes. Ah, mais ils avaient les... Attendez. Ah non, je me rappelle que j'en ai pas eu 5 en fait, parce qu'il y en a un qu'on a vu dans la cinématique. Et en fait, il devait être à l'envers, je pense, de la grosse structure là, à un moment donné. Bon, on s'en fout. Ah ouais, il devait falloir faire le tour, je pense. Ouais. Ah, une comète farceuse. Très bien, et on verra ça la prochaine fois. Oh, ce monde est incroyable. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et vive les Jovideos. Salut tout le monde.